She's bigger than a tree. She's faster than the sea. She opens her mouth. If you get too close, she'll fit you right in it. She's big. She's big. She's bigger than a tree. She's vast. She's faster than the sea. She opens her mouth. It's the size of a planet. If you get too close, then she'll fit you right in it. She's big. J'ai écrit l'histoire de Grèce en 2017. Donc c'est quoi? C'est il y a 7 ans? Un truc comme ça. Et j'ai commencé à l'écrire au piano chez moi à New York pendant ça m'a pris peut-être un an. J'ai travaillé avec un arrangeur qui s'appelle Darcy James Argue, qui l'a arrangé pour un grand orchestre. Et puis pendant ce processus, je me suis dit que je voulais voir cette histoire. Je voulais la voir en dessin et la voir en animation. Et donc j'ai commencé à chercher des animateurs, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. J'ai commencé à chercher sur Internet quelqu'un qui pourrait avoir une esthétique qui se collerait bien à cette musique et à cette histoire. Et j'ai trouvé le travail de Lia et je l'ai contacté. Bah, tu m'as écrit via pas mal de trucs différents, je m'en rappelle. Ouais. Et donc j'étais là, elle a l'air vraiment intéressée de travailler avec moi et tout, enfin c'était super chouette et tout. Moi à la base j'écoute pas beaucoup de jazz, donc je connaissais pas ton nom. Et donc je me dis mais qui c'est et tout, puis je te google. Et là je suis là, ah oui ok. C'est quand même ok, des Grammys. Puis je vais écouter évidemment ce que tu vas faire tout de suite. Je trouve ça super beau. Et puis voilà, donc très très contente. Mais très vite en fait, on a parlé. Je me rappelle pendant qu'on parlait. Très vite, je sens que le contact il est super chouette, super facile. Et donc voilà, mais évidemment hyper contente. Enfin c'est un projet merveilleux. La musique est merveilleuse. Et puis même travailler avec Cécile, c'est génial parce qu'à la base, Cécile m'a demandé donc de réaliser le film et moi j'ai tout de suite dit mais ok, mais tu réalises avec moi parce que en fait c'est toi qui est vraiment à la genèse de ça. Et puis aussi, enfin Cécile dessine, elle a tout un univers visuel aussi et plein de super idées, donc évidemment j'accueille ça très très bien. Ogresse, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans les bois à côté d'un village. Elle est très très grande, très grosse, elle prend beaucoup de place et les villageois sont fascinés par elle à tel point qu'ils veulent la capturer et la montrer dans un freak show du village. Et le problème, c'est qu'il y a un groupe d'hommes qui va dans la forêt pour la capturer et elle les mange tous. Et je ne raconterai pas le reste, mais c'est l'histoire de cette femme dans cette forêt face à ses villageois. Et c'est aussi une histoire d'amour et c'est une histoire d'amitié. Déjà, la musique, elle est là. Donc, c'est pour un réalisateur, enfin, pour une réalisatrice de films d'animation, c'est du pain béni, quoi. C'est toute l'histoire, elle est là, la musique, elle est là. C'est génial. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris la musique et qu'on a commencé à écrire ensemble. Qu'est-ce qu'on allait voir à l'image? Donc, on a écrit le scénario.
Et puis voilà, puis on a fait l'animatique. Et très vite, à l'animatique, on s'est rendu compte de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est un gros, gros travail d'animatique, en fait. C'est parce qu'on ne veut pas que ce soit un long clip, évidemment. C'est toute la trame narrative qui est racontée en images, qui parfois l'est aussi dans la musique, mais parfois pas. Qu'est-ce qu'on raconte en plus est-ce qu'il faut raconter en plus? Donc, c'est hyper intéressant. Ça sera une seule voix, ça sera vraiment, c'est vraiment dans une tradition des conteurs. Enfin, moi, mon père est haïtien et il y a fort cette tradition du conte et du conteur qui incarne des personnages différents. Je trouve que c'est comme, enfin, je sais pas, c'est comme raconter une histoire au feu de bois, c'est comme les histoires que me racontait ma sœur pour que je dorme la nuit, enfin, pour que je dorme pas la nuit. Donc non, c'était important, je pense, de garder ce côté conte avec un narrateur qui incarne les personnages plutôt que d'en faire une comédie musicale. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu. Ouais, là, ça fait un petit peu la différence et le côté un peu plus unique du projet, je pense. Enfin, une des choses qui fait ça. C'est l'interprétation aussi. Que tu fais aussi, qui... Enfin, moi, je trouve qu'on y croit vraiment. On y croit quand on voit le personnage parler. On pense vraiment que c'est quelqu'un d'autre. Alors que c'est Cécile qui fait toutes les voix. Et ça marche. Enfin, on y croit, vraiment. Ça, c'est assez marrant. Quoi. From a distance, she looks like a bear. A gray.